Non, c'est juste ça, effectivement. Vous pouvez y aller. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez participé à cette première célébration de mariage ici à Agogne-Évêque 3. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que représentant du préfet à cette célébration? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, en tant que représentant du préfet, c'est une grande joie pour moi de voir la décentralisation aboutir et que les maires prennent fonction et prennent la relève du fardeau de travail que les préfets avaient en charge. Donc, personnellement, j'étais l'acteur central de la célébration de mariage au niveau de la préfecture d'Agogne-Évêque. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous avons transféré cette compétence au maire. Et vraiment, nous avons beaucoup de soulagement. Et au lieu de faire déplacer les populations de Bakosito et de Tikope Zangera jusqu'à venir au siège de la préfecture pour célébrer ces mariages, je pense que chaque commune, dans chaque canton, pourra célébrer ses mariages et la population va se déplacer massivement pour aller suivre l'événement très important. Et nous invitons la population, l'ensemble des jeunes et les femmes et les hommes qui ne sont pas encore mariés à l'état civil, de le faire parce que c'est une formalité importante qui permet à chacun et à chacune d'avoir les documents de référence pour les formalités administratives. Et vraiment, je souhaite que vraiment ce processus aboutisse pour que le Togo prospère. Je vous remercie.